Acteur d'exception, deux fois césarisé et primé à Cannes, Daniel Auteuil sort, ce 17 mars 2023, son deuxième album, Si tu as peur, n'aie pas peur de l'amour. L'occasion, pour l'artiste qui s'est confié à Télé Loisirs, de nous faire de tendres révélations sur son fils, Zachary. Deux ans après un premier album, Si vous m'aviez connu, Daniel Auteuil sort, ce 17 mars 2023, un deuxième opus intitulé Si tu as peur, n'aie pas peur de l'amour. Sur les paroles, fortes et délicates, et sur les mélodies de l'acteur de Jean de Florette et d'un cœur en hiver, Gaëtan Roussel, chanteur du groupe Louise Attack, a fait de magnifiques arrangements, conférant à cet album une grande richesse de tons et des couleurs souvent solaires. S'il est un acteur aux yeux du plus grand nombre, Daniel Auteuil a un passé avec solfège et sans fausse note. En 1972 et 1973, il joue dans la comédie musicale Godspell, avec Armand Altaï et celui qui deviendra l'un de ses meilleurs amis, Dave. En 1985, en marge de la sortie de L'amour en douce, avec Emmanuel Béard, il sort un single, Que la vie me pardonne, vendu à 400 000 exemplaires. Mais la musique est aussi, pour lui, une histoire de famille. Art lyrique et chanteur-poète, les plus lointains souvenirs du petit Daniel sont d'ordre musical. Et pour cause, ses parents, Henri Auteuil et Yvonne Castellan, sont chanteurs lyriques d'opérette et d'opéra. Mes émotions les plus fortes de spectateur, mais aussi les premières émotions viennent de là, nous dit-il. De Carmen, de Bizet, et de l'œuvre de Puccini. Il n'est qu'à entendre la magnifique illustration musicale de son film La fille du puisatier, où l'on entend Enrico Caruso chanter le sublime Cor Grato, pour prendre conscience du lien viscéral unissant Auteuil à l'art lyrique. Mais je suis aussi un enfant des années 60, confie à Télé Loisirs l'interprète de La fille sur le pont. Et si est-il par des artistes de cette époque que j'ai accédé à la poésie? Par Barbara, par Léo Ferré et par cette révélation que fut pour moi Serge Reggiani. De fils en père, j'ai pris des cours de chant, il y a longtemps, précise Daniel Auteuil, ajoutant, plus récemment, j'ai travaillé chez moi, avec ma guitare, mon micro, mes amplis. Même si, au départ, je ne pensais pas que d'autres que moi écouteraient cela, je crois que j'ai toujours voulu chanter. Au commencement de cette renaissance en tant qu'auteur-interprète de chansons, il y a une autre raison. Si est-il parce que son jeune fils Zachary, 13 ans aujourd'hui, apprenait à jouer de la guitare que Daniel s'y est mis aussi. Et, comme il nous le confie avec vérité mais aussi une certaine réserve, en évoquant l'un des plus beaux titres de son album, Le fils de Rose, où un homme, après la mort de sa mère, vient à la rencontre de ce père qu'il n'a pas connu, si est-il une façon de dire à mon fils qu'un jour, je partirai. Mais je suis pudique, et je m'efforce d'écrire ces chansons en mêlant des choses, sans que ce soit du premier degré. L'auteur-interprète aimerait-il toutefois que Zachary le rejoigne un jour sur scène? En ce moment, nous dit Daniel Auteuil avec un sourire, il est surtout passionné de pêche. Mais je l'ai amené sur le tournage et il joue, face à moi, dans le clip du titre Les Petites Coupures. Je croyais qu'il faisait la gueule, mais en fait il était dans son personnage. Pour vous dire la vérité, ça ne me déplairait pas que mon fils monte avec moi sur scène. Si est-il une manière, un peu égoïste, de continuer à travers lui. Mais, oui, je ne serais assez fier. À lire aussi Daniel Auteuil nostalgique devant des images de sa participation à une comédie musicale hippie en
1972.